Aujourd'hui, j'ai décidé de rénover l'allée de ma maison puisqu'à chaque fois qu'il pleut, on se retrouve avec plein de sable qui colle aux semelles et s'en fout partout sur les escaliers. De plus, le terrain est irrégulier, il y a des trous et plusieurs pierres qui dépassent. J'ai acheté plusieurs chaperons en plastique et des milliards de lattes en bois pour faire notre déco. Pour les chaperons, j'ai pris 2-3 tubes en silicone et dans le doute, j'en ai pris un en plus. Comme ça, si ce n'est pas suffisant, j'ai toujours mon quatrième. Yeah! Maintenant on a toutes les lattes, j'ai surestimé la surface du chemin. Toutes les lattes là font 3 mètres de long, il y en a je sais pas combien par lot. Ok, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12 par 3. Rien à... En fait le truc qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une latte, on va la mettre de travers un peu comme ça. On va prendre une autre latte, on va la poser de travers aussi comme ça, qui va la rejoindre. On en prend une autre de travers, une autre de travers, une autre de travers, et on les dispose n'importe comment. L'objectif c'est que ce soit un peu en désordre, mais que ce soit bien fait. Donc ensuite, une fois qu'on aura mis toutes les lattes là, on va en mettre partout, jusqu'ici encore, jusque là encore, voilà. Jusqu'à l'entrée. Après ça, une fois qu'on aura disposé toutes les lattes, on va venir couler le béton qui sera livré gratuitement. Vu qu'ils vont s'en débarrasser normalement, vous voyez, c'est les grosses citernes qui tournent. Il reste toujours un petit fond et vu qu'ils veulent s'en débarrasser, mais ils savent pas où, donc ils vont venir tout déverser ici, gratuitement. Donc on aura juste besoin d'une scie sauteuse, d'une perceuse et des vis. La première base a été mise, mais les vis ne suffiront pas à maintenir le tout. De plus, je ne pourrai jamais retirer les lattes une fois que le béton sera coulé à cause des vis qui seront mis sur les côtés. C'est pour ça que je vais utiliser des renforts qui seront mis au-dessus des bois, comme ça je pourrai les retirer plus tard. En attendant que le béton arrive, on va poser les chaperons sur le muret pour protéger le crépi de la pluie. Si on ne le fait pas, l'eau va s'infiltrer dans les fissures. En hiver, l'eau emprisonnée va geler et prendre plus de place que son état liquide. La fissure sera alors de plus en plus large au fil des saisons et à la fin, on va se retrouver avec un crépi qui ne colle plus du tout et le muret sera également foutu. J'ai utilisé du silicone pour fixer les chapeaux en plastique, sauf que ça n'a pas tenu. Je voulais faire un geste écologique en achetant des chaperons en plastique recyclé, mais c'est de la grosse merde, n'achetez pas ça du tout. D'une part, elles sont trop légères et en un coup de vent, elles se retrouvent toutes au sol. La seule méthode pour qu'elles ne bougent pas, c'est de les visser directement au mur, mais là encore une fois, vous allez avoir un gros problème. Vu qu'elles ont une couleur sombre, en été, elles vont absorber plus de chaleur, le plastique va alors se dilater, et vous allez vous retrouver avec des chapeaux qui sont tout tordus, tout arqués, tout dégueulasses. L'écologie, c'est bien, mais pour ce produit, il faut aller se faire enculer. À la veille du coulage, j'ai passé énormément de temps à faire en sorte que tout soit au niveau, et qu'il y ait une légère pente pour que l'eau puisse circuler sans stagner au milieu du chemin. Quelques jours après, le béton a bien pris, mais avant d'enlever les bois, j'ai préféré attendre un bon mois pour être sûr de n'avoir aucun problème. Pendant ce temps, je vais installer du grillage rigide sur mon muret et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment installer du grillage. Comme ça, vous n'aurez qu'une galère, tout en leur donnant un look design. We'll be right back.
Le grillage est installé, vous verrez le résultat à la fin. Maintenant, on va passer au sol. La première chose, c'est de retirer les renforts. Bon, plus facile à dire qu'à faire, les vis sont recouvertes de béton. Et lorsque je parviens à emboîter l'embout, les vis nagent dans le bois qui est tout pourri. Et il y a un autre gros souci, une fine couche de béton recouvre certaines lattes. Il faut faire de l'archéologie pour les retrouver. À la fin, on se retrouve avec 112 renforts. Oui, je me suis fait chier à tout compter. Rien qu'en les regardant, j'ai chopé le tétanos. Et on se retrouve avec un gros champ de bataille. Donc l'aspect du béton me dérange. On va les poncer avec un disque adapté. 60 €. Vu que ça fait de la poussière à mort, je mouille toute l'allée pour ensuite commencer à tout meuler. J'ai pris des précautions en achetant une disqueuse premier prix à 10 € pour ne pas abîmer la mienne. On voit que ça marche très bien et j'ai bien fait de prendre une disqueuse toute pourrie. Elle chauffe beaucoup trop vite et à un moment elle commençait à sentir le feu cochère. Et voilà ce que ça donne une fois la surface poncée. Par contre, j'ai très vite arrêté parce que ça allait devenir une patinoire en hiver. On va laisser la texture dégueulasse moche, comme ça en hiver, dès qu'il y a du gel, ça accroche aux semelles. Et c'est bien. Et maintenant on va enlever les bois dans le béton, j'ai attendu les jours de canicule pour les enlever, pour être sûr que les lattes soient bien sèches. Je me disais que je n'aurais qu'une difficulté à les retirer, puisque si le bois est humide, il se dilate, et lorsqu'il est sec, il se rétracte, et prendra moins de place là où il est. Là, en théorie, normalement, c'est comme ça que ça se passe, et c'est ce que je me suis dit. J'ai d'abord essayé avec des vis, sauf que le bois a pourri à cause de l'humidité, et ça ne marche pas du tout. Alors j'ai tenté de coincer un ciseau à bois et de le retirer. Bon, ça ne marche pas du tout, du coup on va tenter une autre méthode. Ça y est, tout est retiré, déjà là j'étais content que l'idée ait fonctionné, mais ce n'est pas terminé. On va appliquer un revêtement en résine sur toute la surface du béton, à 100 € le seau, il en fallait 3. Mais avant de l'appliquer, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune poussière pour que le revêtement puisse tenir. Et enfin, on va placer du gravier de marbre blanc là où il y avait nos bois, pour que ça fasse joli. Beaucoup m'ont dit que les pierres allaient s'enlever en marchant dessus, sauf que non, pas du tout. Faut vraiment faire exprès pour les retirer.